Les Camerounais auront l'occasion exceptionnelle de se débarrasser par les yeux et dans la paix d'un régime qui ne leur a épargné ni souffrance, ni humiliation, ni injustice de toutes sortes depuis plusieurs décennies. De façon très simple, il s'agira pour les électeurs camerounais aux différentes élections à venir de dire à ce régime, à bout de souffle, incompétent et corrompu, arrogant et déprimant, stop, ça suffit. Ce sera un vote pour la dignité et la renaissance ou pour la résignation et le désespoir. Mais pour tenter de conjurer le sort qu'il mérite au regard de la situation désastreuse dans laquelle il a plongé le pays, et que les vieilles recettes, comme le tribalisme et la corruption, ne parviennent plus à étouffer, le pouvoir s'est lancé dans la réalisation d'un coup d'État électoral préventif. Oui, le directeur général de Elections Cameroun, Monsieur Éric Essoussi, et les membres du Conseil électoral sont en train de perpétrer sous nos yeux et ceux de la communauté internationale un authentique coup d'État électoral. Ils foulent au pied la Constitution du Cameroun et les lois électorales avec l'objectif clairement affiché de permettre une voie de vie au RDPC de se maintenir illégalement et illégitimement. Voilà un parti politique, le RDPC, autoproclamé vouloir confesseur, qui essaye par tous les moyens de fuir les élections et qui confirme qu'il n'est qu'un populaire. Voilà un régime dictatorial assumé qui s'autoproclame démocratique, se dit éternel et qui en est réduit à penser que sa survie passe par un coup d'État militaire dont il donne les signaux que ce pourrait être à ses yeux une option tout à fait acceptable. Pendant que nous combattons de façon constante ceux qui ourdissent des complots pour faire des coups d'État militaires au Cameroun, d'autres ne le pas tranquillement. Le peuple camerounais doit savoir de quel côté se situe chacun. C'est important. On ne peut pas continuer comme ça. Dans la roublardise. Un regroupement de partis politiques dit qu'il faut une transition au Cameroun. Mais qu'elle se pose la question de savoir si cette transition doit être civile ou militaire. De toute façon, les militaires font ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas d'autre avis. Alors on n'allait pas leur demander de faire quoi, ce qui ne relève pas de nous. Moi, je suis un civil. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice. Je ne dis aux Camerounais que ce que je peux faire avec eux. Et nous disons depuis plus de 10 ans que le MRC existe, que nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. J'ai dit cela depuis 10 ans. Je loue le ciel, parce que les Camerounais comprennent maintenant que tout dépend d'eux. C'est dans la paix et par les urnes. Vous ne nous ferez jamais dire ce que nous combattons. Et donc, j'ai dit, on voit d'ici le scénario. Sentant venir une défaite électorale cuisante, on veut passer par le raccourci d'un coup d'État militaire, à la faveur duquel on organisera une transition politique. Puis on va restaurer le régime qui est rejeté par les Camerounais et qui lui ont donné sa chance pendant 40 ans. Voilà le scénario. Or, on voit qu'on va perdre les élections. Il faut que ça passe par derrière. L'armée intervient, pardon, prend le pouvoir et commence une transition. Sauf que d'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, dans la plupart des pays, la transition commence quand je ne vais pas être doux. Et le MRC dit non. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la bonne voie pour notre pays. Je mets solennellement en garde ceux-là qui, réalisant que la rupture politique avec le peuple camerounais est consommée, serait en train de fomenter ce coup d'État militaire qu'ils
décrivait un très mauvais scénario. Le peuple camerounais ne tolérera pas une telle forfaiture. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant, c'est des trompes. On mourra tous dans cette usine à gaz. C'est pourquoi, aux militaires qui seraient tentés par une telle aventure, je dis qu'ils doivent y renoncer rapidement, car les Camerounais sont profondément attachés à la paix. Yeah. Cela ne signifie nullement qu'ils sont incapables d'indignation et de colère. Il faut surtout éviter de les pousser à bout et de le mettre le dos au mur. Nul ne dira que nous n'avons pas fait notre devoir de vigile patriote, de vigile patriote de la République. Qu'attend-on des Camerounais? Que veut-on des Camerounais? Il suffit qu'une élite RDPC du coin dit, si le RDC arrive ici, nos militants sont fâchés, ils vont aller perturber pour qu'on dise que votre manifestation n'aura pas lieu. Ce n'est pas ce que dit la loi camerounaise. Et ce n'est pas comme cela que cela marche. Parce que si c'est le cas, alors nous aussi, nous sommes en mesure, nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase, en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camouflés que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple touché. Le boss, il est où? Nous ne sommes le pas boss, il est. Le boss est... en blavant. Nous sommes des hommes et des femmes debout, responsables. Respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formation et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des parties du Cameroun. Ce sont des parties de notre pays. Ce sont des parties oui. de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils tout cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre. Car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par les cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Nous ne regarderons plus, je le dis et je le répète, une telle barbarie tribaliste et bassement villageoise se reproduire sans réaction. Il n'en doute pas une seule chose. Il est man, oh yo yo. Qu'il n'en doute pas une seule chose. Viens au moment où tout suffit. Nous avons été polis. Nous avons été pour toi. Nous avons supplié. Mais pour qui se plaint-il? Pour qui se plaint-il? Qu'ont-ils fait pour ce pays? Sinon le piller. Qu'ont-ils fait? De mépriser les Camerounais. Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. On va s'inscrire. Alors à 2027. Mais je le
n'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça, la répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qui n'essaie pas de lui faire. En attendant que tous les comploteurs contre la démocratie, la paix et la République ne se ravisent, j'invite solennellement les Camerounais à leur donner une réponse politique exemplaire en allant plus massivement encore s'inscrire sur les listes électorales. Je les invite à aller massivement voter pour le barrage à tous les ennemis de la paix par tous les moyens pacifiques possibles. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. Bonjour les enfants, vous sentez vous-même comment le bec, tout remonte, ça fait monter, ça te trappe par le bas, ça te monte vers le haut. Ah, c'est mon patron, quand il se réveille, et il se rend compte que mais les moulas, ils se prennent même pour qui. Oui, ça c'est quand mon patron se lève parfois le matin, excuse-moi Yo-Yo, et il se place comme ça là, il dit que mais les moulas, ils se prennent même pour qui. Ça, c'est quand l'amour qu'un bonhomme a pour son peuple le met dans tous ses états. Ça, c'est l'amour que Maurice Kamto a pour les Camerounais. Quand vous voyez Maurice Kamto, vous voyez son visage. C'est quelqu'un qui ressent les souffrances des autres. Il ressent le poids de la misère des autres. Il ressent le poids énorme qu'on appuie sur la tête des autres. Pour la simple raison qu'il n'est pas concerné par la misère. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas concerné par ta souffrance, par ta misère, réussisse à ressentir ta souffrance et ta misère plus que toi, si ce n'est l'amour? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui n'est pas concerné, il mange 10 fois par jour, il vit sa vie, il n'a pas de problème. Comment se fait-il qu'il peut justifier qu'il soit plus conscient et qu'il ressente sur lui les effets de ta misère et de ta souffrance? Quand on coupe le courant chez toi, lui, il met le groupe, ça allume la lumière chez lui, mais il est toujours dans l'obscurité because he love you, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. C'est pour ça que lui peut mettre, il a le groupe, mais il est dans l'obscurité parce que tu as l'obscurité chez toi. Il a la famine dans son ventre parce que toi, tu ne manges pas chez toi. Il ressent chaque douleur de ton corps. Et chaque douleur du Camerounais s'imprime sur le visage de Maurice Kamto. Ça veut dire que il est 2 fois plus frustré que le Camerounais qui subit la frustration. Ça s'appelle l'amour. Et comme il me dit toujours, tu ne peux pas faire de politique si tu n'aimes pas les gens. Si tu n'es pas motivé par le bonheur des gens. Parce que il n'y a que le bonheur des gens qui te fait prendre des risques. Pour que vous voyez un homme politique qui se lève, prend des risques, part en prison, c'est parce que le bonheur des gens est devenu plus important pour lui. Vous savez, il y a des gars qui viennent ici et me disent « Oh, on continue un peu de parler des taux là maintenant et on ne va plus même voter. Et quand 2025 va arriver, regardez où moi j'habite. Hein. » Tout est classe, au calme. Mais le gars est dans les lobbies, il n'y a pas l'eau et le courant. Il me menace d'aller voter le RDPC. C'est moi que lui menace. C'est-à-dire que le gars est au milieu de son lobby, au milieu de ses mouches et de ses moustiques. Mais il me menace, moi, que si je continue dans la direction que je prends là, il va aller voter pour moi. Mais de qui se moque-t-on? Oh, alléluia, oh. Le carburant, l'amour du peuple camerounais qui coule et qui circule dans le sang de Maurice Kamto le transforme tous les jours. Et chaque fois que je verrai toujours sur son visage et cet amour, si tu me demandes pourquoi tu le suis, je dis oui. Quand vous n'êtes pas capable de prendre des risques pour un peuple, vous ne pouvez pas être leur leader.
Si tu n'es pas capable de prendre des risques pour un peuple, si tu n'es pas capable de souffrir pour un peuple, d'aller en prison pour un peuple, de te blesser pour un peuple, de te pisser dessus pour un peuple, tu ne mérites pas d'être le leader. Et lui, voyez, il coche toutes les cases. Que serait la bagarre, la libération du Cameroun sans Maurice Kamto? Fermez vos yeux. Si jamais il n'y avait pas Maurice Kamto au Cameroun aujourd'hui, sois sûr que nous sommes dans l'obscurité. Sans la moindre option qui allait, peut-être même qu'il n'y avait même pas à avoir l'élection. La seule personne dont l'existence seule au milieu d'un environnement politique est la preuve de la résistance de tout un peuple. Les gars, c'est dimanche, hein? Et il était important pour moi de vous montrer ce Maurice Kamto-là pour que vous compreniez que chacun a sa place et chacun fait son job. Eux, ils n'ont pas de candidat. Nous, on a notre candidat. Eux, ils n'ont pas la force. Nous, on a la force. Eux, ils n'ont pas une vision pour le Cameroun. Nous, on a une vision pour le Cameroun. Eux, ils n'ont pas d'amour pour les Camerounais. Nous, on vous aime de tout notre cœur, les gars. Eux, ils n'ont pas d'amour pour les Camerounais. Mais nous, on n'a que de l'amour et on vous aime de tout notre cœur. Et ça nous fait mal. Mais cette douleur-là, elle vient du ciel. Parce que je vous dis toujours, ressentir les douleurs de son peuple, être capable de porter les souffrances de son peuple, est un don du ciel. C'est Dieu qui veut que la souffrance des autres, tu la portes sur ton dos. Quand il te donne ce fardeau, sache que tu fais partie de ses appelés, de ses élus, de ses élus. Que Dieu bénisse le Cameroun, les enfants. Love you, my people. Bon dimanche.